Bonjour Delvetus, de retour sur A Plague Tale avec un immense plaisir. Dans l'épisode précédent, nous étions au chapitre 12, tout ce qu'il reste, et nous devions traverser des hordes de rats. Chose qui semblait extrêmement périlleuse. J'espère que l'on va survivre. Ça me paraît critique étant donné que nous devons faire très vite. Et pour ce faire, nous devons sans doute fabriquer pas mal d'inifères. Donc j'espère qu'on va y arriver et qu'on va pas devoir s'y reprendre 14 ou 15 fois, n'est-ce pas? En tout cas, il fait chaud, je dois dire. Donc pas facile du tout de se concentrer, mais bon. Temps de chargement assez long comme d'habitude sur PS4. Allez. Voilà. Alors, voyez la situation qui est extrêmement critique. Nous devons de toute évidence lumineuse, donc ça détruire les rats. Je pense pas que ça soit la priorité. Éteindre les feux, sûrement pas. Il faut au contraire allumer des braises. J'espère que nous avons assez de ressources. 5. Ouais. Je regarde à nouveau. Devoir déterminer la tête. Attire les rats alentour. Bon, on va sans doute. J'espère que ça va suffire, hein. Je ne sais pas. On avance, allez! Ah, il faut faire vite. Allez, allez! Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Ah, mais Lucas n'a pas suivi! Oh, mais non! Perfide! Ah là 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 là! On doit faire quoi? Lui tenir la main? Non. Ne bouge pas. Non, au contraire. C'est bon. Tu peux venir. Me voilà. Alors attendez. On recommence. On va à nouveau fabriquer puisque bien évidemment la partie a dû recommencer. Voilà, je pense que pour l'instant 5 ça doit être bon. Voilà, on y va. Tu es où? Allez, voilà, on y va. On avance, allez! Oui. Ah oui, parce que c'est pas assez rapide. Ah non! Ah non! Écoutez, on va s'y reprendre. Ça va être terrible. Je sens qu'on va y passer une partie de l'après-midi. Voilà. Ah voilà. Ah voilà, peut-être parce que là. Attendez, il se passe quoi là? Ah mais. Attends, c'est quoi ça? Attire des rats. Je veux les détruire, mais c'est pas top. Ah! Non, je veux détruire les rats. C'est où? Ah mais j'ai pas des ressources. Dites-moi pas que ça va s'éteindre. Hein. Ok, allez on y va. Allez, allez, rate-toi. Merci de ton soutien. Allez. Ah, ah. Viens, 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 viens Hugo. Attendez, c'est quoi ça? Je suis obligé de les détruire? Oui, parce que ça s'éteint, c'est ça! Ah, mais j'ai pas assez de matériaux! Oh. Oh non! Alors attendez, il m'en faut combien de ces trucs? 3, 5, 7. Ouais, ok, c'est peut-être ça, j'en avais pas fabriqué encore assez. Ok, on y va. Allez, Hugo. Allez, ouais, celui-là, je l'avais pas vu. Non!
Allez, on y va. Allez, allez, rate-toi. Merci de ton soutien. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. Une rivière. Une rivière de rats. Oui. C'est le seul chemin vers les fermes. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Quoi ? Bon, prenez une décision, là. Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure ? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça ? Allez, Lucas, on y va. Advienne que pourra. Bon, et alors il se passe quoi ? Quoi, c'est Lucas qui va pousser ? Non mais attendez. Non mais je rêve. Non mais c'est... sympa la petite sœurette, là. Allez, juste un effort. Juste un effort. Ah, mais c'est immonde. J'ai passé ma vie à étudier dans une cave. Le seul livre. Tu sens? Oui, oui, ils arrivent. Ne les laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fronde... C'est bon. J'ai compris. Pour au bout, je m'en occupe. Non! Non! Encore un! Oh non, mais c'est horrible! On peut pas mourir ici! Oui, moi non plus d'ailleurs. Ouais, j'en ai un peu marre là de ces hordes de rats. Hein. La lumière là-bas, les terres, on y est presque, Lucas. Amicia, je réfléchis. Et je. Je crois que. De quoi, Lucas? Toutes ces. Attaques. C'est pas trop le moment là. C'est parce qu'on est. On est sur la bonne. Sur la bonne voie. Oui, mais il faut encore qu'on vive jusqu'au bout. Non, parce que j'ai pas eu le temps. Il m'a manqué un. Non. Oh non, me dites pas que je dois tout recommencer. Ah, il y avait deux pyramides de rats, mais quelle horreur. Oh, ce jeu est épuisant. C'est bon. Ok. C'est pas vrai. Regarde ça. Une rivière de rats. Ouais, ok. Alors attendez. Le seul chemin vers les fermes. 4. Le chariot, on allume le feu et on voilà. Le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer ouais, comme ça? Ma faute, c'est que je n'en avais pas assez et j'avais pas pensé qu'il y avait deux pyramides de rats. Ah, mais quelle horreur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Lourd. Oh, mais quelle horreur. Allez, juste un effort. On a failli réussir, hein. J'ai passé ma vie à étudier dans une cave. Le seul livre. Tu sens? Oui. Oui, ils arrivent. Ne les laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fronde, c'est bon. Oh, mais c'est horrible. Je m'en occupe. Ah. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces pyramides de rats? C'est horrible. Je ne peux pas mourir
ici. Ouais, moi non plus, mais c'est déjà arrivé, malheureusement. Tu ne vas pas mourir, Lucas. Personne ne meurt avant qu'on ait atteint ces termes. Comme si on pouvait décider. Depuis qu'on se connaît, nos vies sont guidées par... Je m'attends à tout moment. Peut-être, mais c'est moi qui tiens la foule. Alors calme-toi et pousse-moi. Je fais que ça. Ouais, c'est là où j'ai. Tout ce que je veux. La lumière là-bas. Les termes. On y est presque, Lucas. Amicia, j'ai réfléchi. Et je. Je crois que. Que. Pourquoi, Lucas? Toutes ces. Attaques. C'est pas trop le moment là. C'est parce qu'on est. On est sur la bonne. Sur la bonne voie. Oui. Mais il faut encore qu'on vive jusqu'au bout. Ouf. Ouf. Lucas, tu es là? Allez, Lucas, c'est peut-être pas le moment de te disperser. Merci, Lucas. Tu vois, c'est sacrément costaud. Oui, viens par ici, toi, jeune homme. Je crois pas que je remarcherai un jour. Mais quelle horreur. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein? Ouais, ça. Non. Allons-y. Oh là 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 là, quelle horreur. Allez, jeune homme. Je m'attends à me faire des... Y'a quoi, là? Ah, ça clignote. Ouais, mais j'ai pas assez de... Ah, y'a quelque chose aussi ici. Lucas, c'est là. C'est là que j'ai vu mourir ma mère. Mais... Arthur a dit qu'elle était en vie, non? Oui. C'est le corps de ce pauvre Lambert. Il a dû prendre le coup à sa place. Elle est encore en vie, mais il l'a... Je sais, mais pense à ton frère. Il faut qu'on avance. Oh là là. Alors les amis, c'est un immense plaisir de jouer à ce jeu, véritablement des graphismes superbes, et puis une narration quand même qui nous soulève le cœur, bien évidemment par le côté répulsif des rats... Mais quand même une amitié entre ce garçon et cette jeune fille, ouais, c'est vraiment superbe. Et ça donne envie de suivre, bien sûr, les aventures de la deuxième partie qui suivra cet automne, Requiem. Alors, c'est parti. Poursuivons notre périple et notre exploration. Essaye de rester avec moi, jeune Padawan. Viens, c'est bon. Je suis derrière toi. D'accord, je voulais m'en assurer, hein, je m'excuse. Après, c'est horde de rats. Ça marche. Ça me rappelle mon enfance. Tant mieux. Parce que... on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Oh, il y a des rats par là, derrière la caisse, là, au secours. Alors, je vais quand même explorer, parce que comme on l'a déjà indiqué, dans les recoins, il y a des ressources. Et on en a besoin. Je vais peut-être d'ailleurs voir si je peux fabriquer des choses. Actuellement, ouais, là, je n'ai pas de cuir. Hein, c'est pas possible. Et dans l'arbre de compétences, est-ce que j'ai la possibilité de fabriquer quelque chose? Non, toujours pas. Il me manque de la ficelle. Alors, poursuivons. Attendez, il y a des rats. Attire les rats, non? Moi, je veux détruire les rats, parce que... Je ne sais pas. Ouais, là, ça a l'air dangereux, hein, ici. Ouh là là. Ils sont juste derrière. Hein. Ouh. Faut que j'arrive à les détruire, mais pour ça, il me faut des ressources. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, il y a une fresque, là. Oups. Lucas, regarde. Ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6e siècle.
Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. Non. Alors, est-ce qu'il y aurait un passage ici? Je ne crois pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. Je ne peux pas la brûler, mais... Alors, je vais quand même explorer par ici. Hein. S'il y a des ressources, je me méfie comme de la peste. Ouais, là, il y avait des ressources, mais je suis au taquet. Ok, je ne peux rien faire ici. Les rats, Amicia! Si tu les coinçais de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. Ok, les coincer de l'autre côté de la lumière. Ah, ici, il y a de quoi allumer. Ouais, ok. Les coincer de l'autre côté de la lumière. Mais ils vont venir m'attaquer, là, c'est ça le problème. Qu'est-ce que je peux faire? Ouf. Oh. Il y a des bouts de cadavres, c'est absolument immonde. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai? Créer une puissance de lumière qui détruit les rats? Non, c'est pas ça. Attire les rats alentour. Mais les attirer où? Mais ils vont faire quoi là? Si j'enlève la caisse, ils vont venir m'attaquer, non? Ah, les amis, je ne sais pas quoi faire. Hein. Je pense pas que... Non. C'est pas une bonne idée. Il faudrait que j'arrive à les détruire, mais je sais pas de quoi... Je sais pas de quoi le faire. Ah, oh, mince. Où est-ce qu'il y a du... Je ne sais pas quoi faire. De l'autre côté de la lumière. Ah, là-bas, c'est une zone où ils ne vont pas, donc il faut que... Il faudrait que j'arrive à les attirer là-bas, je ne sais pas. Bon, je vais faire un essai. Alors attendez, créer une source de lumière qui détruit les rats, non, attire les rats alentour. Attire les rats alentour. Allez. Ah oui, mais non, c'est pas bien parce que... Ok, ils vont là-bas. Ah mais moi je peux pas aller. Ah ils reviennent. Hein. Non. Mais je peux pas les détruire. Comment ça se fait? Bon, on va explorer aux alentours les amis. Je crois que je suis coincé tant que je n'ai pas de cuir. Je suis étonné qu'on ne m'en donne pas. Il doit y avoir une raison. Ou alors je ne fais pas ce qu'il faut. Ou alors on croit que j'ai les ressources, ce qui n'est pas le cas. Il y a quoi là? Là j'y suis allé déjà. Ah, attendez des choses. Soufre et pierre. C'est quoi ça? Ça c'est là d'où je viens, oui. Ouais, je n'avais pas vu ces ressources, bizarre. Ou alors elles se sont reconstituées. Éteins les feux touchés. Allume les braises et distrait les ennemis, non? Attire les rats alentour. Quelle horreur! Il faudrait que j'arrive à les détruire! J'aurai jamais le temps matériel. Non, ils n'y vont pas. Non, on va jamais y arriver. Non, je suis en train de consommer des ressources pour rien.
Bon, je repars. On va voir si je trouve quelque chose ailleurs. Non, dites pas que je dois les détruire. Bon, le jeu est ainsi fait. Ouais, bien sûr, les rats sont là. Quand même un comble. Pourquoi je ne peux pas... Non, je peux rien faire ici. Il n'y a rien. Puis là-bas, il n'y a pas de ressources. Oh là 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 là. Non. Il n'y a pas de ressources ici, je crois. Ouais, d'ailleurs, il n'est pas prévu que je puisse, semble-t-il, le manœuvrer. Qu'est-ce que je ne fais pas juste? Ne dites pas que je vais devoir abandonner cette partie. Si vous avez une idée, vous me suggérez. Si j'enlève la caisse, je me fais dévorer tout cru. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Attendez, si j'enlève ça... Aide-moi à pousser. J'arrive. Oh, mais vous allez mourir, là. Attendez, j'abandonne. Allez, viens ici, viens ici. Voilà. Ils vont où là? Ouais, ils viennent là, ok. Allez, allez-y vite. Non, Hugo va là-bas. Non! On va se faire. Non, mais je fais pas de quoi les détruire. Tu fais quoi, Hugo? Ah, viens, Hugo, Hugo! Ouais, bah là, on est en très mauvaise posture. Je ne sais pas. Alors, attendez, il y a peut-être une possibilité, c'est-à-dire que... Non, ils vont venir. Non, je peux pas les détruire, je ne sais pas pourquoi. Non, ils y vont pas, ils y vont pas. Allez, go. Reste là, d'accord? Viens avec moi. La voie est libre. Non. Allons-y. Attendez, là... Ah mince. Non, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je ne fais pas juste et je ne sais pas pourquoi. Sauf qu'on est coincé, qu'on a bientôt plus de ressources. On peut pas prendre une torche là? Mince. C'est quand même au comble. Mais je n'ai pas de ressources pour. Il faudrait que j'arrive à les détruire, mais je peux pas. J'ai rien. Je suis coincé des deux côtés maintenant. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut leur tomber dessus? Non? Bon, ils vont pas plus loin. Non, je ne peux rien faire.
peux les attirer là-bas, mais est-ce que... Il n'y a pas de passage là-bas. Non. Ah non, ils veulent... Ils sont beaucoup trop nombreux. En temps normal, je les détruirais, mais je sais pas ce qu'il faut. Ouais, donc... c'est galère. Je vais devoir abandonner pour aujourd'hui, parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que je dois faire. Oh non. Oui, je veux pas faire votre dîner, là. Oups. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire tomber là. Je peux pas prendre. Pourquoi je ne peux pas prendre de torches? Et je n'ai pas de ressources. Bon, bah écoutez, Parce que si je les attire au milieu, je n'ai aucun moyen d'aller sur le côté. Hein, on est d'accord. C'est pas assez, non? Attire les rats alentour. Il m'aurait juste fallu un et je n'ai pas réussi. Ce que je comprends pas, c'est que si je les attire au milieu, théoriquement, je devrais être en mesure de les pousser vers l'autre salle en faisant exactement la même manip. Et ça ne marche pas. Ouais. Et puis si je fonce sur les rats, ben je meurs. Ouais, donc on va essayer, mais... Allez. Allez. Cours, cours. Non. Non, je peux pas. J'ai fait le test, mais c'est pas possible. Ah mince. Compliqué. Quelque chose que je n'ai pas fait juste. Ah, je suis où là? Ah, je suis au début de la salle alors. Ma mère refusait que je vienne ici. C'est très bien. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux alors. Pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Alors, mais on continue. Est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On recommence. Ouais. Il y a quelque chose qui m'échappe. Hein. Ça, c'est quoi? C'est du salpêtre et de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe? Si je pousse la caisse, je pense que je meurs. Hein, parce que les rats sont derrière. C'est pas ça que je dois faire. Attendez, j'ai peut-être une idée. Je les attire là. Voilà. On va pousser ça. Allez. Voilà, et puis ensuite, on peut monter, non, on peut pas monter à bord, hein. Non. Non, les rats, ah, barre-toi, les rats veulent te manger. Ok, alors, on va quand même... Les rats, Amicia, si tu les croisais de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. De l'autre côté de la lumière. Si tu les coinçais de l'autre côté de la lumière, ouais, mais... Ok, donc là, les rats sont là. Oui, Hugo, si tu peux éviter d'être au milieu des rats, ça serait une très bonne chose. Hein. Bon, là, il n'y a rien que je puisse... Non. Il n'y a rien que je puisse faire. De l'autre côté de la lumière. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Oula. Non, on va mourir. Qu'est-ce qu'ils font ces rats? Bon, je vais... Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Oh là 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 là. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6e siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous oui. Non plus.
Non, et puis d'ailleurs, on risque de se faire dévorer. Qu'est-ce que je peux faire avec ces rats-là? Ah, je n'ai pas d'idée, hein. Il y a une subtilité, j'espère qu'elle n'est pas liée au fait de devoir faire une potion, parce que je n'en ai pas les moyens. Et ça, c'est dramatique, hein. Quand je regarde les potions, je ne peux pas faire une, hein. Il me manque du cuir. Oh là 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 Ma là, me mère dites refusait pas que je que... vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Allez, on fait Dangereux une pour dernière elle, sans doute. tentative, et puis Tu n'as rien si ça ne trouvé? marche pas, Non. je Pourtant, j'étais une devrais sacrée fouineuse. trouver Mais une on autre est deux cette solution. fois. Et toi, tu es une enfant. On va trouver. Bon, on retourne là. Oui, hop. Lucas, regarde. Ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au VIe siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au VIe siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ok, donc là il y a ça. Ouais, mais j'ai pas les matières Les rats, premières. Amicia. Si tu les coinçais de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. Oui, mais j'ai pas de luminosa. C'est ça mon problème, les amis. J'ai aucun moyen de franchir cet endroit-là. Je ne sais pas. Attendez, mais j'ai pas de luminosa, c'est ça? Ouais, je crois que le problème, c'est que je n'ai pas les matériaux. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je dois faire? Ne dites pas que je dois ressortir, c'est pas possible. On m'a pas fait ça quand même. Oui, ok, j'ai de l'alcool et du salpêtre, mais... Ouais, je dois les détruire, je n'ai aucun moyen de les détruire. Donnez-moi du cuir, donnez-moi du cuir. Comme disait la chanson, je veux du cuir. Bon, écoutez, là c'est compromis, je vais devoir enquêter, je crois, parce que sans cuir, je ne peux rien faire. Il n'y a bien évidemment rien là-dedans. Si j'ouvre ça, les rats vont de toute façon me sauter dessus. Je n'ai aucun moyen de faire quoi que ce soit. Aucun moyen. Ne me dites pas que je dois revenir en arrière parce que... Il y avait effectivement, pendant que je poussais le chariot, enfin que Hugo poussait le chariot, ouais, il y avait des choses, mais là, je ne sais rien. Je ne peux rien faire. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, je suis obligé véritablement de vous laisser. Il y a de toute évidence soit un bug, soit une incapacité à cause des matériaux d'aller plus loin. Je vais enquêter et je reviens tout prochainement. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo assez laborieuse et je vous dis à tout bientôt, Delvé.